Bonjour. Bienvenue à Angersheim. Notre village est en transition. Transition. La transition, ça a été la concrétisation de 21 actions. Qui se déclinent sur trois chapitres essentiels, l'autonomie intellectuelle, énergétique et la souveraineté alimentaire. Le premier objectif, c'est d'inciter les gens à réfléchir et de les rendre conscients qu'il n'y a pas que la fatalité. Et dès qu'on rentre dans cette démarche, et bien des solutions, on en trouve. Avant, je ne m'intéressais pas du tout à cette question de la transition. Je n'en avais même pas entendu parler. J'étais un peu comme le monde aujourd'hui, individualiste, retranché sur moi-même. Ce qui me plaît le plus, c'est d'être acteur du changement. Action. On n'est pas du tout en train d'essayer de montrer aux gens que c'était mieux avant. C'est pas les écolos avec leur maison en paille et blablabla. On est écolo, c'est de la paille, mais on est high-tech. C'est de la paille high-tech. Tu peux lire lundi ? Je pense que pour transformer la société, il faut d'abord se transformer et le montrer. L'exemple, ce n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Incredible, incroyable. Je me souviens que quand tout ça a commencé, personne n'y a cru. Moi non plus, j'y ai pas cru. You may feel like you are slightly crazy, but you are the cutting edge. Moi, je dirais que Angersheim, c'est vraiment un laboratoire. On est en train de chercher, en train de montrer, de démontrer qu'on peut faire autrement. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus le temps d'attendre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend ?